Salut à tous, c'est Zelda 99 et donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 15 de WePlay Zelda 2 donc la dernière fois, je vous dis juste vite fait ce qu'on avait fait, on avait atteint le crépuscule et on a eu l'espèce de calice pour récupérer la lumière. Donc, ne vous inquiétez pas, je sais ce qu'il faut faire. Ah, allez. Par contre, il va y avoir encore une fois de plus pas mal de dialogues dans cette vidéo. Et donc, je vais devoir en passer un petit peu. De toute façon, on verra bien. Non, d'une coquille s'arrête. Et donc là, ces petites lumières, ce sont des esprits. Et il s'agit évidemment des enfants de notre village. Petite cinématique, ça faisait longtemps. Zut et zut, je ne vois plus ces sales monstres noirs nulle part. C'est bête. Ah, tous les coups, ils sont planqués quelque part et ils attendent qu'on sorte comme des pigeons. En effet, oui, en effet, ça c'est cruel, vous voyez. C'est triste. Nous n'avons rien à craindre tant que nous sommes ici, ne t'inquiète pas. J'espère. Et il faudrait aussi le dire aux autres affreux dehors. Ils ont encaissé mes bombes sans broncher. Alors, je sais pas combien de temps elle va tenir cette église. Mouah ! Ils attaquent les cuisses. C'est la fin. Ça fait peur, hein ? Ça fait peur ! Quand la vieille de la boutique s'est fait attaquer par une de ces bestioles, tout le village est allé à son secours. La vieille, elle est abandonnée dans un vieux village abandonné, mais ça sera plus tard dans le jeu, je vais essayer de pas vous spoiler. Et là, non seulement il n'y avait plus de vieille, mais il y avait une bestiole de plus pour les accueillir. Oh, qu'est-ce que c'est machiavélique. Ce qui veut dire que s'ils nous attaquent, nous allons nous aussi être... crame. Oui, pourquoi vous me regardez? C'est trop débile. Pour te pleurer, Wayo, il y a Link qui va te sauver. Là, il va allumer une lampe-torche. Il va falloir faire une sorte de petit jeu chelou, je sais plus quoi. De planer mon père ici, c'est pas plus sûr qu'ailleurs. Il n'y a pas un endroit où on pourrait se planquer. Il y a le sous-sol. Mais après, ils disent que en fait, dans le sous-sol, il y a des bestioles. Enfin, déjà là pour aller dans le sous-sol, faut allumer toutes les candélabres. Donc voilà, il va tout allumer. Hein. Et en fait, ils disent que dans le sous-sol, il y a des insectes semblables à ceux voilà qu'il y avait dehors. Et ces insectes, bah, c'est des perles de lumière, des sortes de choses de lumière que je vais devoir récupérer. Oh, les cheveux de l'imbécile. C'est triste, hein. Quelle musique émouvante, allez pleurer avec moi. Non, sérieux. Pleurons tous en joie, car c'est joyeux hein, pleurer. Je suis sûr que Link va nous sauver. Alléluia. Bon, je peux commencer à jouer? Enfin. Donc voilà, il dit que je dois allumer toutes les candélabres. Oui, taille. Et donc je récupère le bâton, j'allume tout, voilà. Ah, fuyez. Les enfoirés là. Parfait. Il faut comme ça, voilà, que j'allume tous les trucs. Pour aller dans le sous-sol, voilà. Maintenant je peux aller dans le sous-sol, je suis peinard. Normalement là ça fait environ 5 minutes normalement que je fais la vidéo. Mais je crois que j'ai le temps. Normalement. Allez, on y va. Donc, on s'est fait. Allez, crevez tous en cœur, mes frères. Crevez tous, les bidules machin chouette de lumière. Chelou. Allez, voilà. Gentil bidule de lumière. Arrête, gentil. Non, c'est là-bas que je dois aller. Et je vais atterrir, je crois, dans le cimetière, si je me trompe pas. De toute façon, vous allez bien voir, hein, je vais pas tout vous dire. Tu devrais pouvoir monter par là. Yeah! PGM. Non, je plaisante. Hein. C'est que le jeu. Plaisante. Ah voilà, il sort par une sorte de trou. Hein. Je crois que c'est un puits. Hein, où on tombe. Non, c'est un puits. Ouais, c'est une sorte de puits.
on va dire. C'est sûr qu'il n'y a pas trop pour récupérer l'eau. Voilà, voilà. Je vais encore creuser pour la voir là. Viens. Viens par là, si tu es un gentil. Viens par là, gentil monstre, viens par là. Ce sera le Père Noël. C'est bien, tu es un gentil monstre. Et tu seras récompensé. Oh. Alors, nous continuons. Ah oui, sinon pour le gain capture HD, hein, bah, ce sera au plus tôt, je pense, ce sera au plus tôt le 1 ou le 2 juillet. Mais vraiment, si j'ai énormément de chance. Et au plus tard, bah, probablement après le 15 au plus tard juillet. Alors, bah, je vais retourner là-bas maintenant, hein, écoutez. Nous n'allons pas encore avoir le temps de faire le crépuscule entier, malheureusement. Mais j'espère que vous aimerez bien la partie où je serai dans... On sera... dans le deuxième temple du jeu, hein, dont je ne vais pas vous dire ce que c'est. Allez, je vous donne juste un petit indice, pour ceux qui ne savent pas, c'est... Il y a de la lave, voilà. Ah. On va passer direct par l'endroit le plus simple. Là, on peut... Là ! Voilà. Non, c'est chiant, mais... L'oiseau il laisse rien, il laisse pas de cœur, rien du tout. Ouais. Donc, hein, comme vous l'avez constaté, maintenant j'ai 4 cœurs ou 5. Non, j'en ai que 4. Voilà. Donc, avant j'en avais 3, hein, grâce au récital de cœurs qu'il y avait à la fin du 3ème temple, mais que beaucoup n'a pas dû voir parce qu'il n'a pas eu énormément de vues, l'épisode 13. Malheureusement. Bon. Ok, on va là-bas. Là, bon, notre petit chien. Ouf, ouf, tu peux grimper. Ah, c'est la fin. Méchant. Voilà. Même pas besoin de faire la tête fixelle avec le bouton B. Là, ça fait environ 8 minutes, je crois. 8 minutes, et moi, bien pas les plans. 8 minutes, et... Allo. Alors. Ah oui, c'est vrai, c'est pas par là que je sors. Un petit bout comme ça, c'est normal, hein. Ils ne sortent pas à la porte, c'est normal. Hein. Non. Bon, évidemment, à chaque fois, pour chaque maison, il y aura toujours un petit passage pour rentrer, comme creuser. Hein. Pas seulement, vous allez voir. Je vais passer à un autre endroit qui est facile à rentrer. Si je le trouve, je crois que c'est vers là-bas. Ah oui, c'est bon, je le vois d'ici. Hein. Il y a pas mal d'endroits que j'ai oublié. Et donc, je pense que je verrai peut-être des petites solutions sur Internet. Allez, grimpe, tiens, gentil loup. Gentil loup. Ok, on passe par là. Oula, fais bobo cucu. Fais bobo cucu. C'est bon, je lui sais à passer. Ça fait déjà environ 9 minutes là, sinon je ne me trompe pas. Ok, on reste comme ça. Ok. Lui, il est derrière l'armoire. Nous allons essayer de faire. Voilà, il est mort. Allez, sinon je pensais peut-être à faire un replay de Zelda Skyward Sword, donc je ne sais pas quand, en tout cas c'est pas tout de suite. Mais je pense pas que j'attendrai d'avoir fini Zelda Twilight Princess avant de faire Zelda Skyward Sword, hein, parce que Zelda Twilight Princess est vraiment un jeu très très long, sans déconner, il est vraiment long. J'avais déjà eu de la peine à atteindre le 7ème temple. J'ai pris pas mal de temps. Donc voilà. Voilà. Nous allons continuer. Hein. Malheureusement, il se passe pas énormément de choses, à part que je récupère le crépuscule et tout ça là. Ah. Bon, comment on fait pour rentrer là-dedans? Non. Nous allons vite fait trouver un passage. C'est bien fait. La dernière fois, moi, j'essaie, je crois, de chercher dans les petits passages entre les maisons. Ah, tiens, attendez, j'aperçois que je peux grimper, parfait. Et qu'il n'y a rien, cool. Ah, si, je peux grimper là. Et que c'est tout. Donc, où est-ce que je dois aller? Ah, ok, par là-bas. Donc là, je vais devoir m'arrêter là. Je récupère juste une dernière paire de lumière. Et nous allons devoir nous arrêter là, malheureusement.
prochaine vidéo, je sais pas ce sera quoi, je verrai. Sachant que là, on est lundi. Après-demain, ouais, la prochaine vidéo, c'est probable que ce soit une vidéo avec un de mes potes. Je dis bien, c'est probable. Non. Ce sera une vidéo de Mario Galaxy 2. Voilà. Petite vidéo de Mario Galaxy 2 de deuxième temps, ça peut pas faire de mal. Non, c'est pas ici que je dois aller. Je suis allé un petit peu trop haut, malheureusement. C'est ballot, ouais. Hey, moi j'ai un accent mexicain. Comme moi. Mais oui, c'était juste la quelle triple idiot. C'est bête, hein. C'est triste. Moi. Bon. Ah, mais c'est vrai. Regardez ce que je vais faire. Voilà. Abruti de loup. C'est bien, tu as appris à sauter, tu es un gentil bébé. Et parfait. Oui, c'est comme ça, c'est la vie. Donc nous allons devoir nous arrêter là. Je sors juste de la maison, moi. Voilà. C'est moi ça, voilà. Et donc nous allons changer. Allez là, sors de cette maison, Link, sors de là. Toi c'est meule. T'en fous de ta vie. Comment on sort de là? Donc okay, c'est pas grave, hein. Donc dans la prochaine vidéo de Zelda, on se retrouvera à l'extérieur de la maison. Et donc c'est par ça, au revoir et à la prochaine vidéo.